Merci à tous d'être venus et de m'avoir invité, en particulier Grégoire, à parler de ce sujet qui m'intéressait. Alors, chacun a interprété le thème de la journée à sa manière, et moi il m'a semblé, mais chacun fait référence à ses expériences personnelles, que la vérité effectivement pouvait pas être différente entre le patient et les proches, et que ça pouvait poser des questions éthiques importantes. Alors, pour aborder ce problème de la vérité différentielle ou la vérité relative entre les uns et les autres, il semblait nécessaire, j'espérais que ça ne serait pas traité avant moi, ça ne l'a pas été, de rappeler ce que c'est que la vérité. Alors, si on se réfère à la définition du Larousse, et à son origine latine, en particulier veritas de verus vrai, c'est à la fois l'expression d'une connaissance conforme à la réalité, mais c'est aussi l'effet réel elle-même. La vérité, c'est le fait ou c'est la manière d'exprimer les faits. Et si on se réfère ensuite à la manière avec laquelle la vérité est interprétée dans la littérature française ou européenne, on voit que les définitions sont différentes, qui renvoient à l'expérience que chacun de la vérité. Alors il y a des expériences qui sont positives, et si on se réfère à l'évangile selon saint Jean, et la vérité vous fera libre, c'est une manière de dire ce que disait tout à l'heure l'un des orateurs précédents, c'est-à-dire que la vérité permet à la personne de se réapproprier son destin, de reprendre en quelque sorte la direction de sa vie. Une autre manière de l'exprimer de manière positive était celle de Georges Braque, la vérité existe, l'existence est souveraine, la vérité existe, on n'invente que le mensonge. Donc comment préférer une invention humaine à une réalité? La vérité est supérieure au mensonge. Inversement, d'autres auteurs, comme Alphonse de Lamartine, disaient « Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs ». Autrement dit, la vérité, il n'y a pas de vérité sans douleur. Alors, bien sûr, dire à quelqu'un « je t'aime », ça n'est pas une vérité douloureuse, mais malheureusement, souvent, les vérités sont d'une autre nature. Elles peuvent dire « je ne t'aime pas », ou alors « j'ai mal », ou « tu vas mourir ». Et là, on voit bien que la vérité a sa part de morsure. Une autre manière de le faire, c'était cette médecin, Louis-Ferdinand Destouches, devenu Louis-Ferdinand Céline, qui écrivait « La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. » Et dans les interventions de ce matin, on voyait que, je vais revenir naturellement sur ce sujet, que la vérité est difficile à dire en médecine quand elle renvoie au pronostic et à la fin de vie. Et puis il y a des expressions nuancées qui essaient de balancer les aspects positifs et les aspects négatifs. Et la citation qui vient est celle de Samuel Butler, qui était un auteur britannique du début du XXe siècle, et qui écrivait « La vérité comme la religion, elle n'a que deux ennemis, le trop et le trop peu ». Et finalement, vous allez voir que de diapositive en diapositive, je vais venir à cet équilibre que suggérait à l'instant Grégoire. Alors la vérité en médecine, c'était une notion qui était très relative jusqu'au XIXe siècle, parce que les connaissances médicales étaient très relatives. En fait, il n'y avait pas de vérité, il y avait des soupçons de vérité, il y avait des évocations diagnostiques, avec une part d'incertitude qui était majeure. Et Claude Bernard, qui est un des pères de la médecine moderne, écrivait lui-même « La médecine n'est pas une science, c'est un art ». Ce qui relativise naturellement la part de vérité, même si ça renvoie à une manière de travailler qui des côtés bien plaisants. Son application est inséparable de l'artiste. Dans toutes les connaissances humaines, il y a à la fois de la science et de l'art. La science est dans la recherche des lois, des phénomènes et dans la conception des théories. L'art est dans une réalisation pratique, en général utile à l'homme, qui nécessite toujours l'action personnelle d'un individu isolé. Et vous imaginez que finalement, dans la vérité que le médecin ou les soignants vont donner à un patient, il y aura à la fois une part de science et une part d'art. Et notamment toute la discussion va tourner autour de cette question. Néanmoins, la vérité s'est imposée de manière plus claire au XXe siècle, et un des philosophes des sciences les plus fameux, Georges Canguilhem, écrivait que le statut scientifique, enfin il revendiquait plutôt que le statut de sortie scientifique de la médecine elle-même, contre sa réduction à l'art de soigner. Donc il prenait parti et proclamait l'unité duale de la médecine entre science et art. Et puis, plus récemment, avec ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves, traduite en anglais sous la forme d'evidence-based medicine, la science est maintenant omniprésente, elle est institutionnelle, et la Fondation Cochrane, qui est une société américaine qui regroupe beaucoup de méta-analyses, est l'expression la plus évidente des réalités thérapeutiques ou diagnostiques qui s'appuient sur des essais thérapeutiques et sur des études
de grande importance. Donc la vérité s'impose, la vérité se fait sur la science aux dépens de l'art, la part de l'art est réduite. Cependant, les choses n'ont pas évolué à la vitesse que j'indiquais à l'instant. L'incertitude reste omniprésente. Avec le diagnostic, on a fait des progrès en termes d'imagerie biologique suffisamment importants pour maintenant étayer la clinique de manière très substantielle, parfois même au dépend de la clinique, et maintenant les diagnostics sont de plus en plus éprouvés. Cependant, l'incertitude, si elle est réduite maintenant sur le plan diagnostique, au prix d'explorations multiples, elle reste toujours là sur le plan pronostique. Dire à quelqu'un, vous avez une espérance médiane de vie avec votre cancer de la vessie qui atteint la musculeuse de 2 ans, en médiane, en sachant que ça peut être 2 plus 5, 2 moins 2, on voit qu'il y a une part d'incertitude considérable en pronostic. De même manière, dire à une personne, vous avez un cancer du pancréas qui vous condamne à 95% dans les 5 ans qui viennent, ramené à l'échelle individuelle, on reste avec un pronostic aléatoire que la personne ne sait pas bien interpréter. Donc il y a une incertitude qui persiste, au moins au niveau du pronostic. Et ça engendre un sentiment de vulnérabilité chez les médecins qui vont multiplier les recours pour réduire au maximum cette part d'incertitude. Alors, nous recourons à des algorithmes décisionnels, au poids statistique des essais thérapeutiques faits à grande échelle. On recourt aussi à des guidelines, c'est-à-dire des recommandations faites par les sociétés savantes, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, ou américaines plus exactement. Mais malgré ces recours, malgré ces développements, le médecin reste de fait dans une certaine contrainte. Il doit rester modeste, il doit rester vigilant, il doit travailler en équipe. Et on a même pu écrire avec Hunter que le futur va devenir de plus en plus complexe avec des médecins et des malades confrontés à une multitude de données et de probabilités. Donc vous voyez que dire la vérité, sujet du jour, dans un contexte où l'incertitude n'a pas disparu, reste quand même quelque chose. Et à côté de ça, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que les médias audiovisuels, et puis maintenant, il faut inclure naturellement les réseaux sociaux, se sont emparés de la médecine, sans vérifier leurs sources, on sait le mal que ça a fait à l'époque du Covid en particulier, ils veulent du sensationnel, crier victoire avant d'avoir gagné, rappelez-vous la manière avec laquelle certains médias, y compris CNews par exemple, avait mis en avant l'hydroxychloroquine vantée par le professeur Raoult pour se rendre compte que les médias ont pu influencer de manière très importante les populations, la population française par exemple, et créer une forme de fake news à grande échelle. Les médecines douces par ailleurs se répandent et là aussi ça entraîne de la confusion en ce qui concerne la certitude scientifique et donc les notions de vérité ou de mensonge. À côté de cela, à côté de l'évolution de la médecine, de la part prise par les médias, de la réduction d'incertitudes, mais qui épargne malheureusement encore le pronostic, le malade a changé et le médecin a également changé. Le malade, il est moins religieux, il est moins résigné, mais il peut encore croire à n'importe quoi, y compris à certaines informations fausses véhiculées par certains canaux. Il est moins fataliste, il consulte plus tôt, il souhaite vivre le plus longtemps possible. La mort n'est plus une fatalité, sereinement acceptable, elle est une catastrophe, il veut absolument l'éviter. Il veut connaître la vérité, mais il veut connaître la vérité cependant quand elle est bonne pour lui. Donc il est moins fataliste, il est plus proactif, il veut vivre bien, mieux, longtemps, mais pour autant la vérité garde sa part d'effroi et il ne veut la connaître que lorsqu'elle est bonne pour lui. Le médecin doit donc composer avec un malade qui est moderne, demandeur de vérité, mais à certaines conditions. Le médecin, parallèlement, il a changé en même temps que le malade. Et l'essentiel persiste naturellement, il doit prendre soin, soulager, donner sans compter, trouver de l'empathie pour les patients. Mais il sait malheureusement que, et ça a été suffisamment médiatisé pour que la population sache, qu'il y a eu des manquements, il y a eu des fautes, il y a eu des malversations qui ont conduit à la judiciarisation de la médecine. Vous en avez des exemples réguliers. Il y a eu des compromissions avec l'industrie pharmaceutique qui ont entraîné une méfiance. Et puis il y a eu des méconduites scientifiques, des fraudes, qui ont parfois été vulgarisées, c'est-à-dire diffusées par les médias, et qui ont majoré la méfiance. Alors moi, j'ai travaillé à plusieurs reprises avec un homme qui s'appelle Hervé Maisonneuve, et nous avons publié plusieurs articles sur ce sujet-là, à la fois la fraude scientifique, ça nous intéresse de donner des références, et puis ce qu'on appelle les revues prédatrices, c'est-à-dire des revues
qui considère que l'important c'est de faire un article, et peu importe la qualité, dans la mesure où c'est l'auteur qui paye, c'est plus le lecteur qui va payer la revue, c'est l'auteur qui va payer pour que son article soit publié. Donc à ce moment-là, il y a des comités de reviewing, des comités de surveillance, de sélection des articles qui sont très peu regardants. On demande 1 000 à 3 000 euros à l'auteur, on publie son article et il part dans la science. Dans une mauvaise science, malheureusement. Donc, et on s'est rendu compte que beaucoup d'études avaient été bidonnées ou construites à partir de rien, et ça entraîne une pollution scientifique dont certains médias se sont emparés, ont vulgarisé ça, et naturellement, dans l'esprit du public, la notion de vérité scientifique, s'en est trouvée atteinte, puisqu'il y a une fraude scientifique, une méconduite scientifique. Donc, si le malade a changé, on l'a vu, si le médecin a changé, est-ce que la relation médecin et malade a également changé? La réponse est oui. Alors on a dit qu'elle avait changé tout à l'heure, on l'a dit dans un bon sens, grâce à la loi du 4 mars 2002 voulue par Bernard Kouchner, qui a consacré le devoir d'informer du médecin et le droit d'être informé par le patient. Mais Internet a joué son rôle également dans la modification de la relation médecin-malade, au risque de la désinformation, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ces modifications de la relation médecin-malade, pour de bonnes et de mauvaises raisons, a rendu naturellement plus fort le besoin pour le patient, de soigner la relation avec le malade. Il doit être, le médecin doit être plus empathique, plus attentif, plus prudent, plus modeste. Cependant, du moins, c'est pour ainsi dire lié, le médecin, certes, est plus modeste, mais s'il est plus modeste, la vérité est aussi un tout petit peu plus relative. Donc, il va continuer à informer, il est fort de plus de connaissances, mais il est prudent, le patient plus informé, peut-être plus revendicatif, donc le médecin marche sur des œufs dans un certain nombre de cas, dès que la vérité est un peu difficile. C'est facile de dire à quelqu'un, vous avez une pneumopathie aiguë communautaire, due au pneumocoque, vous allez guérir au prix de 7 jours d'antibiothérapie. C'est plus difficile de dire au patient, vous avez une maladie d'Alzheimer qui va vous condamner à une perte progressive d'autonomie, ou vous avez un cancer du pancréas qui va vous tuer en 6 mois. Donc, le médecin informe encore, puisqu'il ne dit la vérité, car parfois le malade ne peut pas ou ne veut pas comprendre. Le médecin, il doit d'abord évaluer sa capacité d'adaptation et de réaction afin d'informer sans agresser, en discernant ce que le patient veut et est capable d'entendre, sans trop de dommages, en le laissant s'approprier la vérité à son rythme. C'est ce que tout à l'heure certains appelaient la temporalité de l'information, et en associant l'entourage. Parce que la vérité, elle est plus absolue, tranchante, parfois difficile à prononcer, et rien de pire que l'énoncé d'un diagnostic redoutable sans ouvrir une porte pour l'espoir. Alors maintenant, je vais vous ouvrir 3 vignettes cliniques pour illustrer les difficultés d'un diagnostic ou d'un pronostic difficile qui peuvent conduire à donner des informations à des vérités différentes aux patients et à son entourage. Alors les 3 acteurs figurent sur cette diapositive, le médecin ou l'équipe soignante qui participe à l'information est là, et ils vont informer le patient à droite, sa famille et ses proches à gauche, en donnant des informations au plus près de la vérité, et parfois ils vont les donner simultanément au patient et à sa famille, ou du moins très vite après à la famille avec l'accord du patient. Mais il y a des situations envisagées qui divergent. Quand le patient ou la patiente dit « ne dites pas la vérité à mes proches », ça va être le premier cas de figure que j'illustre par une histoire que j'ai vécue. Un homme de 55 ans est hospitalisé en réanimation pour une détresse respiratoire. Et le diagnostic et le pronostic qui ont été retenus, c'est une pneumocystose pulmonaire, c'est-à-dire une infection due à un parasite, dans une forme sévère, qui va révéler une séropositivité VIH qui était un environnement probablement à plus de 10 ans, mais qui n'était pas connu. Cette maladie, cette infection pulmonaire opportuniste à la période du déficit immunitaire, est bon pronostic à court et moyen et long terme. Mais tout dépendra de la correction du déficit immunitaire, c'est-à-dire du traitement anti-VIH qui va suivre. Alors, et qui nécessite naturellement une bonne observance. Il faut que le patient prenne ensuite très bien ses médicaments dirigés contre le VIH. Alors l'évolution, elle va être médicament favorable, parce qu'on va pouvoir extuber le patient au 7e jour, on va commencer un traitement anti-VIH au 14e jour, il sera guéri de sa pneumocystose pulmonaire au 21e jour. Mais,
les médecins se trouvent ensuite contraints à des informations différentes par le secret médical. Parce qu'après extubation, le patient informé sans réserve vient ici, vous êtes séropositif au stade sida du fait de cette pneumocystose, et bien le patient dit oui, mais en fait je l'ai acquis ce virus parce que je suis bisexuel. Ma femme l'ignore, mes deux enfants aussi. Je ne veux pas du tout perdre ma femme, je ne veux pas dégrader ma relation avec mes enfants, qui pourraient considérer, trois enfants, considérer ça comme une trahison. Donc il demande à ce que personne d'autre que lui soit informé. Et ce qui fait que quand les enfants et l'épouse demandent au médecin réanimateur ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que leur père et mari est malade, eh bien on va répondre, et ça sera un diagnostic très différent, qu'il y a une infection pulmonaire qui est favorisée par un certain déficit immunitaire qui nécessite un suivi prolongé, mais on ne va pas en dire plus. Alors les médecins, naturellement, vont craindre deux risques de ce mensonge, hein, de cette omission au fil du mensonge. La première, c'est que l'épouse, elle est peut-être déjà contaminée par le VIH, ou alors elle va risquer d'être contaminée à l'occasion d'un rapport sexuel ultérieur avec son mari. Ou du moins, tant que le patient n'a pas une charge virale indétectable, il ne rendra plus contagieux. Donc il y a un risque pour l'épouse d'être infectée dont les médecins ne peuvent pas s'absoudre. Il faudrait, pour bien faire, qu'on la dépiste. Et on ne peut pas dépister quelqu'un sans lui donner son autorisation. Donc, si vous demandez à cette femme qui n'observe au grand de rien, on aimerait bien que vous fassiez un test VIH, naturellement, elle va se demander pourquoi, ou deviner rapidement que c'est son mari qui l'a attrapé, qui risque de le lui passer. Et puis par ailleurs, quand un traitement comme ça nécessite une prise très régulière, si le traitement doit être pris à l'insu de la femme ou du mari, eh bien il y a un risque de mauvaise prise médicamenteuse qui va compromettre en fait l'efficacité du traitement. Autrement dit, pour le pronostic lui-même du patient est condamné, est conditionné par le fait que l'entourage est au courant, il peut prendre ses médicaments au vu et au su des autres. Alors comment gérer cette situation-là ? Alors il y a un article de loi qui donne un premier éclairage. C'est un article 4 du code de déontologie qui a été, comme à chaque fois, traduit dans le code de santé publique sous un autre numéro. Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Donc le médecin réanimateur est contraint au secret professionnel. Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu, compris. Mais comme citait tout à l'heure un autre orateur, c'est une phrase d'ancien président du Conseil de l'Ordre, Bernard Erny, il n'y a pas de soins sans confidence, de confidence sans confiance, de confiance sans secret. Donc le secret que nous demande le patient atteint de l'infection VIH évoluée s'impose à nous. D'autre part, le médecin qui trahirait ce secret professionnel se verrait sous le coup du code pénal, puisque la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission importante, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc le médecin, non seulement il est déontologiquement, je dirais, l'obligé du patient qui lui dit de ne rien révéler, mais en plus, si jamais il le faisait, il tomberait sous le coup de la loi avec une menace à la fois d'amende et d'emprisonnement. Cependant, la jurisprudence a admis que le patient ne peut délier le médecin de son obligation secrète, mais qu'il est libre de révéler à qui il souhaite son état de santé. Donc, le patient lui-même, il est le seul à pouvoir, lui, dire cela à quelqu'un d'autre, notamment à sa femme. Alors le secret s'impose vis-à-vis de la famille, l'entourage et la personne de confiance, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave, il ne s'oppose pas à ce qu'ils reçoivent des informations nécessaires pour leur permettre d'apporter un soutien direct sur proposition du patient. Alors là, on peut dire malheureusement, il a fait opposition au patient, mais s'il n'avait pas fait opposition, on aurait pu considérer que la femme était en danger, exposée à un diagnostic et à un pronostic grave, on aurait pu éventuellement divulguer l'information. Enfin, si le patient mourait, ça ne délivre pas le médecin de l'obligation du secret. Le secret s'impose même devant le juge. Donc, finalement,
Dans cette situation qui est difficile, pour laquelle jusqu'ici je n'ai pas donné d'échappatoire, de pistes, de solutions, il y en a quand même une. Concernant l'infection due au VIH, qui entraîne un conflit entre le droit des patients vivant avec le VIH à la confidentialité et le droit des partenaires d'être avertis du danger qui les menace directement, le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans un bulletin qui remonte déjà à 1992, a formulé des recommandations. Il n'y a aucun problème si la révélation est faite à un proche ou un tiers par la personne malade elle-même, éventuellement assistée par le médecin qui pourra donner des éclaircissements, mais il n'existe aucune dérogation au rompre le secret. Il revient alors aux praticiens de tout faire, et toute la seule solution est là, de tout faire pour convaincre le patient des dangers qu'il encourt et fait encourir à son entourage. Sinon, c'est sa responsabilité morale et juridique qu'il engage en prévenant lui-même le partenaire de son patient. Alors, moi, je me suis trouvé plusieurs fois dans cette situation. Et au risque de vous étonner, je ne suis pas un expert sportif, je suis toujours parvenu, avec le temps, à convaincre le patient, qui s'était muré dans son secret, de l'intérêt majeur qu'il avait à informer au moins son épouse, si ce n'est ses enfants. Pourquoi ? En mettant en avant le fait que s'il l'aime, il la met en danger, en empêchant le dépistage, qu'il se met lui-même en danger par des prises médicamenteuses dissimulées, et que tôt ou tard, ce type de secret finit toujours par apparaître, et à ce moment-là, le sentiment de trahison est majeur. Si on avoue à son partenaire, à son époux, à sa femme, qu'on est séropositif depuis 10 ans sans jamais l'avoir dit, qu'on a eu entre-temps des rapports sexuels non protégés avec l'autre, naturellement, la relation n'en sortira pas. Donc là, dans ce premier cas de figure, vous voyez, le patient dit « surtout ne dites pas à ma femme », eh bien, il existe un moyen, ça s'appelle la persuasion, mais cette persuasion, c'est vraiment là l'intelligence de la relation médicale et les tâtonnements qui permettent de s'en sortir, mais on s'en sort. Deuxième cas de figure, là, c'est la famille qui dit « ne dites surtout pas la vérité à la patiente ». Un exemple pour l'illustrer. Une femme de 65 ans est hospitalisée en gériatrie pour des troubles de l'attention, une dépression, une rigidité, des chutes. Le diagnostic qui sera retenu, c'est celui de maladie à corps de Lewy. Si vous le connaissez, c'est une forme de démence rare qui emprunte des traits à la maladie d'Alzheimer. Donc, vous imaginez, troubles de la mémoire, de l'attention, un ralentissement psychomoteur, mais aussi à la maladie de Parkinson, avec une raideur, un tremblement et avec des chutes à répétition. Et c'est une maladie neurodégénérative qui malheureusement évolue assez vite, conduisant au décès entre 2 et 20 ans, plutôt plus près de 2 que de 20 ans. C'est la deuxième cause de démence chez les personnes âgées. Et c'est une maladie pour laquelle on ne dispose que de traitements symptomatiques qui empruntent à la maladie de Parkinson, avec le dépôt d'OPA, avec à la psychiatrie, avec la clozapine qui est un neuroleptique pour calmer un peu l'agitation ou les hallucinations, à la psychiatrie également avec des antidépresseurs, puisqu'il y a une note dépressive, à la kinésithérapie pour favoriser autant que faire se peut l'autonomie, mais il n'y a pas de traitement à ce jour, en 2024, efficace de démence à corps de Lewy. Alors, l'évolution de cette femme va être fluctuante, mais globalement défavorable. Au début, les traitements symptomatiques vont améliorer un peu la situation pendant environ 3 mois, puis petit à petit, le déclin cognitif, les hallucinations vont apparaître, une agitation, une agressivité, on va devoir recourir à un neuroleptique, une démultiplication de troubles de déglutition avec des petites stimulations qui vont finir à terme par conduire au décès. Alors, mon mari va être informé avant la patiente. Ils n'ont pas d'enfants, et ces médecins vont choisir d'informer le mari parce que c'est plus pratique, plus commode, plus confortable d'informer quelqu'un qui n'est pas atteint par la maladie d'un diagnostic aussi redoutable que la démence à corps de Lewy. Et puis il fallait très vite décider d'une sauvegarde de justice et d'un placement en établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Mais le mari va avoir c'est aussi un cas que j'ai connu, avoir une réaction à laquelle ça, nous n'attendions pas, il va dire, mais surtout ne le dites pas à ma femme, parce que si elle comprend que c'est foutu, elle va arrêter de se battre, elle peut se tuer. Donc surtout ne lui dites pas la vérité. Alors les médecins vont à ce moment-là être partagés dans cette situation. L'interne, qui est assez déontologiste, va dire que la règle prévaut sur toute considération, en tant que patiente, c'est sa maladie, elle doit pouvoir
savoir le diagnostic pour prendre ses dispositions. C'est ce qu'on appelle le principe d'autonomie. Hein, quatre principes éthiques, c'est le principe d'autonomie. Mais le praticien hospitalier, qui est plutôt non pas déontologiste mais conséquentialiste, va répondre que le résultat de l'annonce doit être pris en compte. Sans espoir, la vérité peut graver la qualité de la vie restante. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « vous allez mourir, vous dégradez considérablement et vous allez mourir par exemple dans les 5 ans », c'est comme si d'une certaine manière vous lui priviez des 5 ans de vie qui lui reste. Puisque pendant ces 5 ans, on va être dans l'attente d'une issue fatale. Et il va ajouter « la vérité pure et simple est très rarement pure et jamais simple ». Maintenant, cette phrase à Oscar Wilde, dans ce principe, lui, de non-malfaisance. Donc on voit que dans cette situation très différente de la précédente, en fonction du référentiel du médecin, un jeune praticien d'un côté, un praticien hospitalier de l'autre, eh bien on va avoir confrontation de deux principes éthiques qui ne devraient pas se confronter. Hein, principe d'autonomie d'un côté et principe de non-malfaisance de l'autre. Alors, est-ce que la loi peut nous aider à y voir plus clair? Oui. Oui, il y a un article du code de déontologie, l'article 35, qui dit « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications, veille à leur compréhension. Lorsqu'une deux personnes demande à être tenue dans l'ignorance des diagnostics, on en parlait ce matin, ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, mais comme il a été dit ce matin, ce cas de figure est purement spéculatif, il se produit à peu près jamais. » On ne peut pas refuser un diagnostic qu'on ne connaît pas. Sauf si des tiers sont exposés à des risques de contamination. Naturellement, si quelqu'un appartient à un homme à attablé une syphilis et qu'il est marié ou qu'il a des rapports réguliers avec une personne, eh bien, refuser le diagnostic, c'est exposer la personne à l'infection. Donc là, on doit informer le patient après. Est-ce qu'il en informera l'autre ou pas? On ne sait pas. Mais en revanche, l'article 35 le dit également, un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection. Mais les proches doivent en être prévenus sauf exception. Donc on pourrait dire là que dans une certaine mesure, cet article 35 du code de déontologie autorise ce qui a été fait, c'est-à-dire on n'a pas informé la patiente, comme son mari le demandait, du diagnostic de démence à Cordelier, oui, mais lui, le mari, l'est. Mais cette situation-là, dans laquelle le mari de la patiente nous a mis, nous exposait à ce qu'on appelle la conspiration du silence. C'est un mot qui est souvent utilisé. Et là, cette fois-ci, c'est le médecin. Et malheureusement, je me suis plusieurs fois trouvé dans cette situation-là, et chaque fois, j'étais très mal à l'aise. Le médecin ou l'équipe qui dit à la famille, je vais vous dire la vérité, mais je la tairai à la patiente. Ça revient à la même situation, mais cette fois-ci, c'est le médecin qui prend l'initiative. Alors, je prends un exemple. Là aussi, un exemple vécu. Un homme de 87 ans qui est hospitalisé en médecine interne pour une altération de l'état général et une anémie. Et après une semaine d'hospitalisation, le diagnostic tombe. C'est une anémie sévère, liée à la fois à une carence en fer et puis au syndrome inflammatoire. Qui existe et qui révèle un cancer du côlon classé T4A, c'est-à-dire qui envahit le péritoine, qui augure de 20% de survie à 2 ans, même après une chimio ou une immunothérapie, donc un très mauvais pronostic. Et ce cancer va être considéré comme au-delà des possibilités d'une chimiothérapie. On ne va pas imposer une chimiothérapie à cet homme de 87 ans pour un si mauvais résultat, compte tenu de son mauvais état général. Alors, le médecin, plus exactement j'ai, choisit de ne pas dire la vérité au patient, mais de dire à sa famille. Alors au début, l'évolution était fluctuante, mais globalement défavorable. Petite amélioration de la fatigue après des transfusions, on donne du fer pour corriger l'anémie, puis le patient s'aggrave, bien qu'on le nourrisse par une sonde nasogastrique. Et la femme plus jeune et les enfants ont été informés du diagnostic et du pronostic péjoratif au nom de la nécessité de discuter une approche palliative, parce que là, ce n'était pas une mise sous tutelle, mais c'est pour le patient en phase palliative, compte tenu de l'aggravation rapide. Mais le médecin a fait le choix d'annoncer le diagnostic de polype colique au patient. « Monsieur, vous me demandez ce que vous avez un gros polype. » Donc on retrouve, cette fois-ci encore, pour une autre raison, la même ambiguïté qui expose à la conspiration du silence, particulièrement fréquente chez les personnes âgées. Alors, il y a une référence que j'ai utilisée qui
selon laquelle en Espagne, 79% des patients hospitalisés en unité de soins palliatifs ignorent la vérité autour de leur état de santé, incluant le diagnostic, le pronostic, la prise en charge thérapeutique. Et il semble que plus le patient est âgé ou atteint une pathologie grave, plus on a tendance à ne pas dire la vérité. Et enfin, cette pratique peut avoir des conséquences assez néfastes dans le rapport entre patient, entourage, corps médical, puisque l'adhésion du patient à la prise en charge médicale, peut, finalement, se retrouve dégradée. Il se rend compte qu'on lui passe quelque chose, qu'on lui, lui cache quelque chose, et la méfiance s'installe. Et cette situation elle est plus fréquente chez les personnes âgées, mais aussi plus fréquente en cancérologie. Et une étude américaine qui a été publiée en 2005 montrait que chez 122 oncologues d'un grand centre, 57% avaient été confrontés à cette demande dans l'année, à cette possibilité, c'est-à-dire qu'on cache la vérité aux patients. Et d'autre part, il semble que les attentes des patients et de leurs familles divergent en cas de cancer en phase terminale. En fait, d'après une étude canadienne et australienne, sur 72 participants, on voit que la demande des patients est très ambivalente. Le patient atteint d'une maladie terminale s'attache plutôt aux détails, plus à la demande d'informations sur les détails de la vie quotidienne. Est-ce que je vais rentrer chez moi? Est-ce que je vais pouvoir me nourrir? Pensez-vous que je vais pouvoir me déplacer? Ça, je l'ai constaté quotidiennement. Comment peut-on soulager ces symptômes-là? C'est plutôt des questions d'ordre très pratique qui sont posées par les patients. Alors que pour les proches, ce sont des questions beaucoup plus essentielles. C'est quel est le diagnostic, quel est le pronostic, quelles sont les complications qui vont venir, comment va-t-il mourir, etc. Donc on a, semble-t-il, statistiquement, hein, des demandes qui sont différentes dont on peut tenir compte. La demande du patient n'est pas la même que la demande de son entourage. Alors, ceci dit, le médecin est intervenu, parce que là, c'est le médecin qui a choisi de cacher. Ce n'était pas la demande de l'entourage. Alors, il peut y avoir de bonnes raisons pour cacher. Le patient n'est pas en capacité cognitive ou psychologique d'accéder à la vérité. Il faut le protéger de l'impact émotionnel engendré par cette annonce, le principe de bienfaisance, qui est louable. Et puis, un médecin, disent certains, est formé à guérir et non à accompagner vers la mort. Donc, moi, je ne peux pas m'inscrire facilement dans une vérité qui revient à annoncer la mort. Mais il y a des raisons moins avouables, c'est le sentiment d'échec auquel aucun médecin n'échappe. Hein. Confronté à une maladie sur laquelle on n'a rien à proposer, c'est beaucoup plus difficile de donner le diagnostic, de dire la vérité, quand cette vérité revient à dire « je suis impuissant par rapport au problème de santé que vous avez ». Et puis, dire à quelqu'un « vous avez un cancer en phase terminale qui vous condamne à la mort dans les mois qui viennent », c'est aussi très angoissant pour le patient, naturellement, et moi, je ne suis pas forcément en capacité de composer facilement avec l'angoisse du patient. Je me protège en le protégeant, en quelque sorte. Et puis, à vrai dire, beaucoup de médecins n'ont pas reçu de formation à l'annonce d'une maladie grave. C'est une formation spécifique. D'autres l'acquièrent finalement sur le tas, par échec et succès, sans passer par une formation spécifique. En fait, la conspiration du silence, elle est contraire au principe de l'autonomie du patient, hein, qui veut que le patient puisse disposer lui-même de sa santé et choisir ses options. En fait, dans ce cas très délicat, comme le précédent, il n'y a pas d'autre solution à dire qu'il faut faire de la même manière. C'est-à-dire que plutôt que de cacher la vérité au patient, le mieux, on peut dire dans un premier temps, vous avez un gros polype, monsieur, et on dira un peu plus à la famille, mais si le patient demande des explications, en fonction de l'évolution du dialogue, on peut peut-être petit à petit donner des éléments de vérité qui permettent de se rapprocher, de rapprocher les points de vue. Là encore, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de situation idéale, et chaque solution sera différente d'un cas à l'autre, mais c'est souvent l'évolution de la relation, la complexité, la richesse de la relation médecin-malade qui permettra d'avancer. Et j'arrive à ma conclusion. En fait, pour s'en sortir, il faut établir une relation vraie, une relation de confiance, en sachant que la confiance ne peut pas exister d'emblée au motif du seul savoir médical. Une vérité scientifique n'est pas parfaitement transposable en clinique. Je le disais tout à l'heure à propos des pourcentages de guérison ou de survie à telle période, à 2 ans ou à 5 ans. Ce n'est pas déclinable sur le plan individuel, puisqu'il y a des exceptions. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, les patients ont entendu parler de mauvaises pratiques. Donc, il peut y avoir des défauts de compétences, de mauvaises conduites scientifiques. Donc, la confiance, elle n'est pas acquise d'emblée. Dans une situation difficile comme celle que j'ai mentionnée à l'instant, ou dans n'importe quelle autre situation.
On sait en plus que les médecins ont toujours des connaissances évolutives imparfaites, l'expérience diffère d'un médecin à l'autre. Et l'absence de confiance, qui est péjorative, elle est associée à la rétention d'informations. C'est-à-dire que si la confiance existe à l'emblée, il faut savoir aussi que si le patient a l'impression que le médecin retient de l'information, il va encore avoir moins confiance. S'il a l'impression que, si la relation devient un peu conflictuelle, s'il y a un manque de confiance, ça peut favoriser naturellement une conflictualité, une fuite du patient qui ne va plus aller dans les rendez-vous ou qui va même parfois renoncer aux soins. Puis on sait également que s'il n'y a pas de confiance, on va moins bien suivre, les soins qui lui seront prescrits. Donc, créer du lien par la confiance, c'est particulièrement important, surtout lorsqu'il y a une non-demande ou un refus a priori des soins, quand il y a des problèmes d'incompréhension, de crainte, de déni, de rejet de certaines affections. Donc, le travail sur la confiance est un travail permanent et qui est particulièrement aigu dans certaines situations. Et cette relation de soins, elle doit savoir surmonter les différences. Pour gagner la confiance, il faut surmonter les différences de savoir, de nature entre le médecin et le malade, les différences d'objectifs, scientificité d'un côté, réussite et guérison de l'autre, les différences d'enjeux, réussite du cas professionnel ou simplement guérison ou survie pour l'autre. Il faut aussi dépasser les soupçons. Le patient peut être l'objet de soupçons. Il y a des médecins qui soupçonnent des patients, lui disent après tout... Il a pris des risques sexuels, il a pris des risques en termes de toxicomanie pour ce qui lui arrive, donc ça peut parfois créer un regrettable, mais j'ai déjà observé qu'il y avait une forme de soupçon qui pouvait être de cela. Donc il est responsable de ce qui lui arrive, est-ce qu'il va comprendre ce qui lui arrive, est-ce qu'il prend bien les médicaments, tout ceci peut favoriser la méfiance du médecin. Inversement, et davantage, le patient est méfiant à l'égard du médecin, est-ce qu'il a entendu ma plainte, est-ce qu'il n'a pas trompé le diagnostic, il m'a dit toute la vérité, qu'est-ce qu'il a dit à mes proches. Donc il faut vraiment une relation qui soit vivifiée par l'épreuve et de l'échange, par le contradictoire, par l'enseignement réciproque. Il faut que ce soit un espace intelligent, en fait, une relation médecin-malade, si on veut aboutir à un niveau de vérité. Et alors le véritable débat entre vérité et mensonge, je crois que c'est l'avant-dernière diapositive, et il a été abordé de manière remarquable dans une revue que j'ai lue, je vous reprends de l'article, qui est ancien, pourtant en 1984, la revue théologique de Louvain, qui était signée Claude Gates. Alors au début de son article, il dit on peut aller du tout vérité au motif que le mensonge dépossède l'homme de lui-même, que le malade peut tout entendre et qu'il peut se prendre mieux en charge, qu'il pourra apprivoiser sa mort. On peut aller aussi vers le mensonge protecteur, c'est une expression qui avait été adoptée tout à l'heure par Grégoire, mensonge protecteur pour sauver la vie qui reste, pour sauver l'empan de vie qui reste. Mais, et la phrase qui suit est une profondeur que je ne peux pas atteindre moi spontanément, donc je préfère vous lire le texte, ce texte de Gates qui dit « La parole demeure, ce qui permet d'humaniser la mort, de promouvoir la vie jusqu'à son terme. Faute de quoi, la vérité assénée acquiert une signification comparable au mensonge. » Impliquant le même refus d'accompagner pas à pas le malade dans son cheminement. Dans ce contexte, dire la vérité peut être une manière subtile d'éviter l'angoisse de la rencontre de soi avec soi au sein de la relation à l'autre. Une autre exigence prend alors la première place, celle de la qualité de la relation entre le malade et ceux qui l'entourent, y compris le médecin. L'essentiel consiste à rejoindre le malade dans une situation de vérité, cette vérité humaine et d'elle seule, qu'il fût dit qu'elle est libératrice. Donc la qualité de la relation, la qualité de l'échange, la vérité humaine de l'échange est en soi une vérité. C'est-à-dire qu'il y a une vérité dans la relation au-delà du niveau de vérité que l'on propose au patient. Et cette expression ou cette manière de voir les choses a été reprise à Nantes en 2018 par Jeanne Lagré dans une communication qui s'appelait « La question de la vérité en médecine ». Si le mensonge est définitivement rejeté pour des raisons éthiques, d'inefficacité et surtout de manque de considération pour le malade, la vérité doit être délivrée avec la manière, qui n'est pas enseignée, mais comment enseigner la perspicacité, l'humanité, le courage et l'empathie. Ainsi, à la conception de Descartes, qui produit le discours vrai, indiscutable, soutenu par la transcendance, s'oppose celle de Spinoza, qui dit que la vérité se crée progressivement depuis soi-même et elle se conforte au fil du temps. Donc en conclusion, la vérité reste la base de la relation médecin-malade pour à la fois établir une relation de confiance entre le médecin et le patient et permettre au patient de comprendre son état de santé, de prendre des décisions éclairées. Ça doit rester quand même la boussole. Pôle Nord. Hein. Mais les médecins ne disent pas toujours la vérité, car selon les cas, ils estiment que la vérité est trop douloureuse ou trop complexe pour être comprise, ils n'ont pas été formés aux mauvaises nouvelles, ils ne supportent pas l'échec, et surtout le patient, donc à présent, ou son entourage, leur demande parfois de taire la vérité à certains, et ça peut être pour de bonnes raisons.
Mais ne pas dire la vérité peut avoir des conséquences graves, à la fois pour le patient qui est dépossédé de son destin, plus anxieux, qui peut se sentir trahi, et pour l'entourage qui ne peut pas accompagner psychologiquement la personne malade autant qu'elle le ferait si la personne était informée. Donc en conclusion, au sein de la conclusion, la vérité engage la relation de confiance entre médecin et malade, médecin et proche, malade et proche, mais elle reste fonction des attentes des patients et de ses implications pour les patients et pour les proches. C'est une conclusion un peu complexe, mais je pense que le sujet ne pouvait pas se conclure d'une manière plus lapidaire. Voilà. Alors moi, j'ai une question déjà sur, comme dirait Eric Orsena, le sens des mots. C'est sûr que dès qu'on utilise vérité et mensonge, c'est pour passer la parole à Mylène, ça, qui se prépare, il y a une dimension de jugement moral, quoi. C'est des mots qui sont connotés, quoi. Mentir dans notre société est quand même connoté. Donc on a du mal à l'associer avec bienveillance, je pense qu'historiquement, et Jean Bernard disait que quand on accompagnait un patient, Jean Bernard, premier président du comité national éthique, c'était d'accompagner vers le chemin de la réalité, ce qui croise un peu peut-être la présentation de nos collègues de ce matin. Je trouve quoi, toujours poser les termes entre mensonge et vérité, j'aurais fait la même chose, hein, mais d'emblée c'est des termes qui ne sont peut-être pas adaptés à la relation de soins. Puis on a croisé ce matin quelle vérité, parce que la vérité, elle croise celle du doute diagnostique, et peut-être pas du diagnostic, mais en tout cas du doute pronostic aussi, donc ça croise vraiment la présentation. Après, moi, je vais vous faire le point de vue que j'ai évoqué ce matin, parce que j'assiste beaucoup aux assemblées générales dites des patients qui ont en particulier été militants à la loi du 4 mars 2002. Il faut quand même rappeler, en tout cas aux plus jeunes de la salle, qu'il y a eu des périodes où le silence était total aussi, et aucune vérité n'était dite, et où là, c'était aussi une meurtrissure et certainement un manquement aux droits fondamentaux des personnes. Donc je redis un peu ce que j'ai dit ce matin, mais je pense qu'il faut le dire. Parce que je pense aujourd'hui, c'est pour te titiller, ce sera ma première question, est-ce qu'on n'a pas une tendance à être paternaliste et à infantiliser la personne âgée comme un sous-sujet dans notre société? Les sujets où on manque à nos devoirs de vérité, c'est toujours des personnes âgées. Et ça m'interroge, et en particulier... quid de la pédiatrie aussi, alors c'est peut-être moins ton domaine, mais voilà. Est-ce qu'on n'a pas une tendance à avoir des regards différents en fonction des catégories de présupposés sociaux sur nos patients? C'est vrai que, déjà, on a tendance à aller... Enfin, je vois parfois des attaches soignants qu'on appelle mamie, mamée, pépé, etc. Ça sort encore de temps en temps. Donc, comme si la vulnérabilité de la personne âgée se rapprochait de celle de l'enfant, dont tu parlais, et amène à dégrader, en fait, la relation qui devrait être symétrique entre celui qui a la vérité et celui qui ne l'a pas encore. En plus, il y a certaines personnes âgées qui, en dépit de leurs apparences physiques, qui peuvent être dégradées, ont une disponibilité intellectuelle, une force psychologique que l'on ne soupçonne pas. Et donc, partir d'un point de vue que la personne est vulnérable psychologiquement parce qu'elle est vulnérable physiquement est probablement un raccourci qu'il ne faut pas faire. Et il faut, alors, qu'on soit prudent avec ces personnes-là, parce que l'échéance de la mort, hein, qu'elles aient 80 ou 90 ans, est proche, mais il y a des différences très importantes. Je pense qu'il y a autant de variétés chez les personnes âgées qu'entre deux personnes de 50 ans. Et l'approche devrait être, autrement dit, individualisée et indépendamment de l'âge de la personne. Il y a beaucoup de facteurs. Et dans les facteurs, il y a naturellement un niveau socio-professionnel, mais il ne faut pas considérer que les CSP+ sont plus forts que les autres pour autant. Il peut y avoir l'entourage familial, la qualité avec laquelle la personne a su affronter les difficultés de l'existence. Je crois qu'il ne faut pas généraliser sur les personnes âgées. Il y a Jacques Serpette, je crois, qui lui prend la parole, et Mylène. Jacques d'abord, qui lui a demandé, puis Mylène après. Merci pour votre intervention, c'est passionnant, même si je suis assez éloigné de ces difficultés, en tout cas, en tant que professionnel, patient probablement. Mais vous évoquez les personnes âgées, mais je voudrais évoquer les personnes en situation de handicap, et notamment les personnes avec des troubles de santé mentale ou une déficience intellectuelle, qui sont, dans mes observations, c'est même pire qu'infantiliser, hein, ignorer. Il me semble que là aussi on sous-estime la capacité en préalable de la capacité de la personne à comprendre. Elle ne comprendra pas de toute façon, c'est pas vrai, enfin c'est plus compliqué que ça en tout cas. Et quelquefois en plus l'apparence de la personne peut la desservir, alors que sur le plan cognitif elle peut avoir, effectivement, je pense notamment à des personnes qui ont des personnes qui sont à IMC,
Où là, c'est assez troublant, quelquefois, y compris pour des professionnels. En tout cas, la question de Grégoire, je pense que les médecins ne sont pas toujours top là-dessus. Mais vont tutoyer la personne ou ils vont pas s'adresser à elle. Elle n'existe pas. Alors, j'ai un élément de réponse qui sera suffisant. J'en ai pas une grande expérience parce qu'on voit pas beaucoup de personnes dans mon secteur médecine adulte, en particulier en infectiologie, atteintes de situation de handicap. Ceci dit, j'ai vu plusieurs fois, une dizaine de fois, des patients atteints de trisomie 21 qui avaient des pyopathies d'inhalation à répétition. Et c'est vrai que on avait tendance que l'apparence, les difficultés de communication faisaient que l'approche médicale et paramédicale était assez un peu sommaire. Mais il y a là, au-delà du handicap, un problème majeur qu'on trouve dans les hôpitaux, qui est le facteur temps. C'est-à-dire que pour les personnes âgées, comme pour les personnes et plus encore pour les personnes en situation de handicap, l'approche personnalisé dont je vantais les mérites tout à l'heure sur le niveau de vérité qu'on peut dépend essentiellement du temps. Et quand vous avez 10 malades à voir en 4 heures, vous n'allez pas passer une heure avec une personne âgée ou une personne en situation de handicap, on dépend de tous les autres. Donc il y a un facteur temps qui est incompressible et qui abîme considérablement ce qu'on devrait faire. Ça dégrade l'approche du patient qui devrait être particulièrement prudente, intelligente, dénuée de préjugés pour les personnes en situation de handicap. Oui, merci pour cet exposé vraiment complet. Deux remarques. La première, d'ordre général, c'est que la vérité trop douloureuse, trop complexe, la vérité comme lieu d'échange au sein d'une confiance, en fait, j'ai l'impression que ça, c'est le rapport humain dans sa généralité. Je veux dire, c'est au niveau personnel, on est exactement dans la même situation. Parfois, on cache la vérité à nos proches pour les protéger, sans parler nécessairement de médecine, de pathologie, etc., etc. Donc, il y a une dimension très profonde et philosophique, finalement, dans le rapport vérité, dans le rapport à la vérité, dans la relation médecin-malade. Et puis, une autre question. Effectivement, le mensonge peut être bienveillant. L'histoire l'a montré, hein, donc il faut toujours le rappeler. Voilà, c'est contrairement à ce que disait Kant, on n'a pas de devoir de vérité à tout prix et quelles qu'en soient les conséquences. Ça, c'est certain. Mais je me posais juste une question, en fait, par rapport aux générations. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, on a quand même deux types de personnes, des personnes qui, avec lesquelles on peut rester un peu... Alors, c'est une question, hein, parce que je ne fais pas de médecine, tu le sais, heureusement, sinon mes patients seraient très mal soignés. La première, c'est de se dire que sur certaines générations, on a encore besoin un peu de protection et de paternalisme, mais j'ai l'impression que les jeunes générations aspirent à la vérité, peut-être même d'une manière plus crue, et qu'on ne pose plus du tout avec cette idée de mensonge bienveillant. Tu vois ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'est en train de changer? Oui, globalement, tu as raison. Moi, je suis encore confronté, je suis plus net en consultation, les rapports sont moins aigus, mais en consultation, les personnes âgées recherchent moins d'explications, sont à la recherche confusément d'une confiance qui donne très vite et s'embarrassent pas toujours des détails techniques, des éléments de preuve diagnostique, c'est vrai. Donc la confiance est gagnée, le besoin de vérité est moins criant, ils s'en remettent à la figure paterniste du médecin qu'ils ont connu, alors que chez les plus jeunes générations, je pense que le breakpoint c'est à moins de 60 ans aujourd'hui, eh bien il y a davantage d'analyse critique du discours médical, d'un besoin d'un niveau de preuve, il y a de contre-argumentaire qui est très lié à l'utilisation d'Internet, hein, qui joue beaucoup. Mais, donc, tu as raison dans le sens. Ceci dit, on peut parfois trouver, notamment dans les situations aiguës, ces chevauchements. Et quand un diagnostic reste extrêmement, extrêmement difficile, on peut voir des sujets jeunes qui se contenteront assez vite de la vérité parcellaire qu'on pourra leur donner. Donc, je crois que le caractère aigu ou chronique de la pathologie, la menace mortelle ou pas, peut éventuellement entraîner des chevauchements autour de cette barrière des 60 ans sur le niveau de vérité qu'on souhaite. Merci.
Merci. Vous soulevez la question de Internet et je me demandais, par rapport à votre exposé, dans la limite d'Internet, à quel moment ce que vous proposez, la vérité parcellaire et la conspiration du mensonge, tout ça, ça ne sera plus possible, parce que maintenant, effectivement, il y a le réflexe de regarder sur Internet ce qu'on a et de voir toutes les informations que vous avez citées au début qui ne sont pas forcément la réalité et qui peuvent guider à un faux diagnostic que le patient va se donner lui-même. Oui. Le médecin n'a plus intérêt aujourd'hui à balayer Internet d'un revers de main, effectivement, lorsque la personne s'y accroche. Par contre, mais ça lui demande une certaine petite connaissance, il peut démêler les sites fiables des sites qui ne le sont pas. Et moi, quand je suis confronté à une question récurrente d'un patient plus jeune, donc qui a utilisé Internet avant de venir me voir ou entre deux consultations, je lui dis souvent, vous avez bien fait de regarder, regardons ensemble et voyons ce qu'il en est. Et à ce moment-là, on regarde ensemble le site et je vois assez vite si le site est sérieux ou pas, si les références médicales sont derrière, si les choses sont douteuses, je lui propose d'aller voir sur un site dont je sais qu'il est absolument fiable ce qu'il en est. Et à ce moment-là, je refuse pas le média qu'on propose, mais je l'utilise, je le critique, je le valide ou pas, et la personne s'y retrouve. Je crois que la meilleure manière, en tout cas, c'est de dire « Ok, vous voulez jouer sur ce terrain-là, nous allons en parler. » Il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui. Réanimateurs qui parlent, ils ont leur mot à dire là-dessus. Oui, je ne sais pas, je vous remercie beaucoup pour l'exposé. Je voulais insister sur quelque chose sur lequel vous avez dit, qui me semble très intéressant. Effectivement, il y a un certain nombre de cas où... habiller la vérité peut être fait dans l'intérêt du malade et avec un but louable. Mais vous l'avez dit aussi, et dans mon expérience, c'est aussi très vrai, le but n'est parfois pas si louable que ça, et c'est parfois un manque de formation, comme vous l'avez dit, une peur, on ne supporte pas l'échec. Et ça, il faut faire très très attention, parce que là, pour le coup, on est véritablement dans une dérive qui ensuite... compromet énormément la relation médecin-malade. Et un des exemples que vous n'avez pas cité, mais je pourrais ajouter, c'est les situations dans lesquelles on est dans un dommage lié aux soins. Quand la problématique rencontrée par le patient n'est pas une maladie pour laquelle on n'a pas d'influence, mais une erreur médicale ou un geste chirurgical inapproprié, ou ce genre de choses. Et là, on voit que dans ces situations-là, on peut plus se cacher derrière que pour le bien du malade, il vaut mieux pas lui dire. Et voilà, je voulais juste dire, de temps en temps, se cacher derrière ça, c'est enfin, faire attention de ne jamais se cacher derrière ça. Notamment, j'ai vu ça dans les infections nosocomiales, j'ai vu certains chirurgiens qui refusaient de reconnaître le caractère nosocomial de l'infection après une intervention de chirurgie orthopédique, et tôt ou tard, le discours de l'infection, malheureusement parfois aidant, le malade comprend que l'infection a été contractée à l'occasion du changement de prothèse et que le médecin a choisi toujours menti. C'est à ce moment-là que la récrimination entre, le demande d'indemnisation, et parfois ça peut aller assez loin. Donc, je pense qu'il faut être, assez vigilant sur ces questions effectivement de compétences, non seulement à savoir dire, à savoir être, mais aussi des représentations qu'on peut avoir du patient. Parce que je reviens à la question du grand âge. Moi, j'ai assisté à une superbe thèse qui était à Toulouse, où en fait, il est vrai quand même que le mensonge est plus fréquent chez la personne âgée. Et quand on interroge des personnes âgées dans une tranche d'âge, la thèse c'était 85-95 ans, les gens disaient, mais écoutez, de toute façon, le rapport à la mort, on y est déjà préparé. Effectivement, c'est nos médecins qui n'y sont pas préparés. Je trouve que c'est intéressant d'entendre les paroles, voilà. Et finalement, on veut nous protéger de quoi ? De quelque chose sur lequel on a déjà travaillé, sur lequel on a déjà fait notre propre chemin. Par contre, celui qui me soigne n'a pas fait son propre chemin. Bon, c'est la même petite idée. Donc, je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Et puis, l'autre chose, puisque la confiance était évoquée, cette thèse disait très bien que le médecin, il fait une forme de pari d'intemporalité du mensonge. Il dit, je vais mentir, et puis je vais quand même espérer qu'elle meure entre-temps, cette personne, mais sans le savoir. Non, mais c'est un peu cynique, mais c'est ce que montrait ce travail de thèse. Et du coup, la question de la confiance était brisée quand ça durait trop longtemps. Et l'exemple était suite de la personne âgée qui avait un trouble respiratoire. On lui dit, vous inquiétez pas, c'est qu'une petite infection, alors qu'elle était en train de décompenser une insuffisance cardiaque, et laquelle insuffisance cardiaque est devenue une insuffisance cardiaque terminale. Et cette vignette clinique montrait que la personne avançant,
sa situation se dégradait et qu'elle n'était pas bête parce que des petites infections virales, des petites grippes, elle voyait très bien que ce n'était pas ça dont il s'agissait. Donc, il y avait une rupture de confiance aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même réarticuler cette idée que, quelque part, il faut y aller quand même, au chemin de la vérité. Enfin, moi, j'avoue que je plaide beaucoup pour ça. Voilà. C'est peut-être plus de l'éthique quand on plaide pour. Mais je pense qu'il faut quand même, en plaidant pour, avoir conscience de tous les travers qu'on peut avoir de non-compétence ou de fausse représentativité des choses. Quoi. Ouais. Il y avait d'autres plein de mains dans la salle. Et c'est bien. Moi, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque par rapport aux patients atteints de VIH. La loi donc, interdit qu'on le dise aux familles, mais une fois qu'il est décédé, je sais qu'on n'a pas le droit de le dire, mais quelque part, c'est non-assistance aux personnes en danger. Oui, alors je me suis confronté une fois à ce sujet-là. Le patient avait une cirrhose pulmonaire, il est mort avant de nous avoir autorisé à le dire. On était très embêtés par rapport à l'épouse. Et on a choisi d'en parler au médecin traitant, qui c'est naturellement qui était aussi le médecin traitant de l'épouse, en disant voilà. Vous ne pouvez pas le dire vous-même, mais trouvez n'importe quel prétexte, n'importe quelle infection virale, manifestation transitoire ou pas, pour proposer à la patiente, à la veuve en fait, de faire un sérodépistage. Et l'occasion s'est présentée, elle a accepté sans sourciller, le sérodépistage était négatif, on était rassurés, elle n'a jamais su la vérité concernant la cause du décès de son mari, mais au moins elle était saine et sauve. Juste un petit mot de vocabulaire en faisant et c'est bien ce que je dis très souvent, hein, et moi j'utilise aussi le même vocabulaire avec mes étudiants, l'assistance à la personne en danger, c'est pas le cas. Ça n'a pas de qualification juridique, puisque la non-assistance, c'est quand vous pouvez éviter un décès immédiat, que vous pouvez intervenir pour l'éviter directement. Donc là, on pourrait dire que symboliquement, ça l'est, mais juridiquement, ça ne l'est pas. C'est aussi pour rassurer les gens dans la salle. Et le principe du secret dans le VIH a été... validé pour une raison que vous ne connaissez peut-être pas historiquement, c'est Françoise et Claudier et beaucoup d'études qui ont montré que si la levée du secret était effectuée sur le VIH, les gens ne viendraient plus se faire dépister. Et chacun ayant d'ailleurs proposé dans certaines sociétés un peu barbares de tatouer les patients VIH pour que leurs partenaires les identifient en tant que tels. Donc vous voyez que l'éthique quand même a son mot à dire. Il y a du sens à maintenir le principe du secret. Et dernier argument d'ordre de la santé publique, c'est que si jamais on est rendu la levée du secret possible, bien à malin, qui serait le nombre de partenaires que chaque personne a dans la vie et quelles seraient les personnes qu'il faudra aller chercher et comment aller les chercher. Voilà, donc c'est pour dire que voilà, on est dans un indicible éthique, on ne peut pas lever le secret sur le VIH. Il y a eu plein d'autres questions. Je ne sais pas où. Non, si, Arnaud. C'était une association d'idées, une question au médecin. La vérité, quand je voyais votre exposé, ça m'évoquait la question de la transparence. Et je ferai un parallèle avec ce qu'on a vécu avec les médias sur le Covid. Je me disais, vos études de médecine sont assez longues, ça veut dire que pour arriver à une décision, il y a tout un processus de réflexion. Je pensais aux consultations multidisciplinaires où parfois on est dans une situation de bataille un peu entre différentes disciplines pour prendre une décision. Alors on n'est pas peut-être sur le diagnostic, mais sur une décision, on propose ça. Et je me demandais si vous étiez confronté à cela, c'est-à-dire des patients qui vont demander de plus en plus de transparence sur votre raisonnement, sur ce qui vous amène à cela. Et je faisais le parallèle, moi, quand je voyais, alors qu'on soignait, qu'on travaillait pendant la période du Covid et que on voyait les gens qui, on va dire la population, une partie de la population générale qui doutait de tout ça, je me disais, mais en fait, sur les plateaux, on avait des professionnels qui bataillaient dans les idées et peut-être qui mettaient à nu, qui étaient transparents par rapport à ce qui peut se passer dans une consultation multidisciplinaire ou une réunion de synthèse où on n'est pas d'accord, mais il me semble que ça fait partie du processus de réflexion dans le métier du soin. Et est-ce qu'il n'y avait pas eu là un effet négatif de cette transparence, c'est-à-dire que en gros, ce qui sortait, c'était dire qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux, donc c'est que ça ne doit pas être vrai. Et je me demandais si, par rapport à la vérité, la question de la transparence, vous étiez confronté, les médecins, par rapport à ça. Alors, pour la question du Covid, en deux mots, les connaissances étaient émergentes, donc ça se prêtait au débat. Et puis, avant, il y avait des faux experts qui se mêlaient aux vrais experts. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient spécialistes de la néphrologie ou de la cardiologie, qui sont permis d'intervenir sur le débat public, alors qu'ils n'avaient pas la peine, à l'évidence, de suivre l'actualité
enfin l'information scientifique, les articles qui sortaient. Et pour ce qui est de l'incertitude diagnostique que j'éprouve tous les jours avec un patient ou deux lors des consultations, j'ai choisi avec le temps de dire, écoutez, il me semble que, mais si vous voulez bien, on va le vérifier ensemble. Et à ce moment-là, quitte à tourner l'écran, parce que je fais à ce moment-là une recherche bibliographique en direct, où j'utilise un site que certains connaissent, UpToDate, par exemple, qui est une mise au point américaine sur tous les sujets réactualisés tous les 6 mois. Alors, c'est en anglais, mais je traduis. Et je dis, voilà, écoutez, là, ça me confirme, ou au contraire, ça me détrompe, hein, mais c'est ça. Dans l'état actuel des connaissances, c'est ça qu'il convient de faire, ou c'est ce diagnostic qui est le plus probable. Je vous propose de le faire ça. Ou alors, si l'incertitude persiste, écoutez, je ne peux pas trancher avec les moyens dont je dispose actuellement, mais on se revoit dans 15 jours, j'aurai le temps de chercher davantage, ou je vous adresse à telle personne qui vous apportera un niveau de preuve qui nous manque aujourd'hui. Et ça, les gens le comprennent. C'est un médecin qui... Alors, c'est ce truc qu'on fait difficilement quand on est jeune, parce que... je suis de moins en moins, parce que c'est un aveu de faiblesse. Mais quand un médecin dit, là, je ne sais pas, mais je vais faire en sorte que nous ayons ensemble la solution. J'ai jamais eu l'impression que ça desservait le niveau de confiance que la personne m'accordait, au contraire.